Bonjour, c'est Pif. Nous sommes au passage Bokeh. Pour ceux qui ne l'ont pas entièrement vidé, il y a une petite surprise. Découvrons-la ensemble et après nous irons chercher du Balzac. Je suis au passage, si vous ne l'avez pas dégagé entièrement, moi c'est rebouché après, donc j'ai dû le redégager un passage. Vous prenez des pioches, et certains rochers, quand vous les tapez, vous avez du schiste, du basalte, des rochers bien sûr. Je mets un accéléré, on verra à la fin ce qu'on a récupéré. Donc là c'est sans danger, ça vaut vraiment le coup de tout dégager. Par contre, à ce rythme, je ne vais pas avoir assez de pioches. Donc nous avons eu énormément de rochers, forcément, mais nous avons quand même eu 39 schistes et on a eu 20 basaltes. Donc les rochers, j'en ai trop, je les supprime. Je stocke ici, je vais profiter pour manger. Et je retourne chercher des pioches. Je vous fais une ellipse et on se retrouvera sur le plateau de montagne. On se retrouve au plateau de montagne. J'ai dû faire des pioches car j'en avais plus. Donc on tombe directement sur un spot de Balzac. C'est ici qu'on va trouver le fer aussi.
Les outils qui ont cassé, c'est des pioches en pierre. Elles ne font même pas un spot. J'ai pris une bonne arme. Les grands loups demandent maintenant 45 de points d'esprit. Donc j'ai pas assez. Alors les peaux grises, c'est ici que vous allez les trouver. Bon, il y a du chêne, de l'érable, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, de l'érable. Vous allez voir que l'arme s'use très peu. C'est ici aussi que vous allez trouver du plantain. Il y a un peu d'étain. Donc on a utilisé la pioche qui était empâmée, qui nous restait de tout à l'heure. Un coffre, on va le faire. Pas moyen d'être tranquille. Les grattes de coton, on les prend. Bon, pour l'instant, on prend tout de toute façon. Mais avec les armes actuelles, on ne se met même pas touché. J'ai rien oublié dans le coin. Ouais, mais je suis bien, voilà. J'ai déjà plus de place. J'ai pris une tenue arabe et finalement elle ne s'use pas tellement. Oui, il y a du monde là. Tiens, je te rends ça. Thank you.
Hey, faut pas se faire toucher trop souvent parce que la tenue ne durera pas longtemps. Il n'y en a pas un autre que j'ai encore à 20. On peut pas être tranquille. On attend de rien faire dès qu'on est dans la montagne et que quelqu'un qui nous attaque. C'est les grades de coton, je prends. J'en ai 20 aussi, je vais pas en prendre plus. On a carrément le bloc de basalte. Celui-là, on l'avait ouvert. Je trouve que je n'ai pas eu des boss, je n'ai pas eu beaucoup. Ah, je suis à 35, oui, je suis à 45. Oui, si, ça doit être bon. Précédemment, j'en ai eu 60 dans cette zone, c'est pour ça, ça m'étonne un peu. Non, bon, il n'y en a plus. Comme vous le voyez, donc sur le cheval, on en avait mis 20. Donc on a 45 basaltes, on a 6 minerais d'étain, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut chercher, ça on le trouve facilement aux zones rouges. Et on a eu en fer, je le cherche, on a 10 ici, 30 minerais de fer. Donc pour le basalte, il faut faire les deux zones, l'autre est celle-ci, plateau rocheux et plateau de montagne. Dans la forêt, il y a du chêne et il y a de l'érable, c'est tout. Il n'y a pas de frêne. Bon jeu et à bientôt.